Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Il est 18 h passé de 3 minutes et nous sommes aujourd'hui le samedi 7 décembre 2024. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Nous allons continuer aujourd'hui avec Jacques Sokouya, avec lequel nous avons fait une émission hier, un débat-échange de 2 heures. Nous allons encore continuer aujourd'hui 2 heures avec Jacques Sokouya, qui va se prêter aux questions-réponses. Parce que cette vidéo, il y a eu des intervenants. Mais c'est plutôt sur YouTube que sur Facebook. Il y a des compatriotes qui ont interpellé Jacques Sokouya, qui lui ont posé des questions. J'étais obligé d'appeler Jacques Sokouya depuis la Belgique. Je l'ai appelé pour lui dire, petit, est-ce qu'on peut remettre ça? Il m'a dit, vieux, le problème est à l'angoté. Nous sommes là pour ça, débat, échange. Des compatriotes posent des questions, je vais répondre. Donc, mesdames et messieurs, d'ici quelques minutes, Jacques Sokouya interviendra par rapport aux questions qui ont été posées par des compatriotes congolais sur YouTube, sur ma page YouTube de SAPNews 1000% SAP. Le sujet est intéressant, le sujet plaît aux compatriotes, et bien nous allons continuer. Si vous voulez intervenir, vous composez le 06 01 47 59 13. Si vous êtes en France, si vous êtes à l'étranger, vous mettez l'indicatif 0033 06 01 47 84. Oui, 47 94 13. Non. Oh là là, 06 01 47 59 13. Voilà. 06 01 47 59 13. Voilà, si vous voulez intervenir sur WhatsApp, c'est le même numéro. Donc, mesdames et messieurs, d'ici là, Jacques Sokouya pourra intervenir quand il veut. Mais pendant ce temps, nous allons commencer en musique. Bonjour Arthur Makiza. Monsieur les chefs d'État africains, au lieu de recruter les mercenaires, d'acheter les armes lourdes et de renforcer vos milices, n'est-il pas plus judicieux d'investir ces sommes faramineuses dans la lutte contre le sida? Les guerres ethniques, religieuses et les coups d'État sont désormais caduques. Réfléchissez-y, s'il vous plaît. Parce que l'Afrique a besoin de vous. Vous êtes les garants de notre société. Je vous en prie, monsieur le chef d'État africain. Bonjour à tout le monde. Bonjour Arthur Makiza. Bonjour. Et bon début de week-end à toi. Vos ennemis d'hier
peuvent un jour devenir vos meilleurs alliés. Tendez vos mains, s'il vous plaît, monsieur le chef d'État africain, à tous ceux qui sont en exil, afin que la paix en Afrique soit stable. Je vous en prie, monsieur le chef d'État africain. Nous sommes encore en exil forcé, nous. Kumakanga tena. J'ai chanté ça en 2000, ça fait 24 ans. Rien n'a changé. C'est de pire en pire. Nos mamans sont devenues vieilles. Elles n'ont aucune notion de la guerre. Elles préfèrent cultiver leurs champs de maïs et de manioc. Elles ont peur de rester au village, livrées aux milices qui les raquettent. Elles ont perdu leur dignité en tant que mères. Elles ont été battues, violées, sous les yeux de leurs enfants. Et elles marchent, et elles sont fatiguées. Elles n'ont même plus de larmes pour pleurer. Il n'y en a plus. Et le crépuscule du soleil ne se fait pas voir, parce que la réalité en elle-même dépasse la fiction. Celui qui gagne le pouvoir par la guerre et non par suffrage universel doit aussi savoir gagner la paix. Vous savez, monsieur le chef d'État, la guerre peut se déclencher en une fraction de seconde, mais la paix en elle-même est difficile à gagner. Gagner la paix, monsieur le chef d'État africain. Gagner la paix, s'il vous plaît, pour le bien de tout le peuple africain. Depuis 1997, Monsieur Sassou n'arrive pas à gagner la paix. Il a gagné la guerre, mais n'arrive pas à gagner la paix depuis 1997. J'ai chanté ça en 2000. Nous sommes en 2024. Nous avons 3000 militaires là-bas, dans le pool. Il y a 20 ans, il y a 24 ans, j'avais dit, il faut préparer la jeunesse. Il faut donner le relais à la jeunesse. Tata Sassou Kariri, tele no waka fuila. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Voilà cette chanson. Je le dis encore aujourd'hui. Je l'ai composé en 2000. J'étais parti voir un ami. J'étais parti pour un mois. J'étais parti chez un ami qu'on appelle José Lupin. Je suis parti à Grigny et plutôt à Meaux. J'étais parti pour un mois parce que, bon, je voulais un peu changer. José Lupin était un frère, étant un frère. Je suis parti chez lui. Et c'est là où j'ai composé cette chanson-là. Au départ, elle était intitulée le chef de l'État congolais, M. Denis Sassou Nguesso. C'est lui que je voulais interpeller. Parce qu'à cette époque-là, quand je parle de 2000, Kolela était en exil avec les autres. Donc je voulais qu'il tende la main aux adversaires d'hier qui pouvaient devenir maintenant les meilleurs alliés. Mais sauf que, en lisant ce texte-là, José Lupin me dira de ne pas seulement indexer le chef de l'État congolais. Il fallait faire passer ce message à tous les chefs d'État africains, parce qu'il n'y avait pas que le Congo où il y a cette dictature. D'où le titre de cette chanson est devenu « Monsieur les chefs d'État africains ». Mais au départ, cette chanson était destinée au chef de l'État congolais, M. Denis Sassou Nguesso, que je disais que la réalité en elle-même est en train de dépasser la fiction, parce que ce qu'on voyait dans le pool, ce qu'on a vu au Congo-Brazzaville, on s'est dit que, mais
C'est dans les films qu'on voyait ça. On voyait ça ailleurs, dans d'autres pays, mais pas le Congo. 2000, nous sommes en 2024, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui a changé dans la région de Pôle? Mais ça soit gagné la guerre depuis 97. Il y a, dit-on, un fugitif qui était là-bas qui s'appelle Ntoumi. Il fallait aller chercher Ntoumi. Depuis 97. Ntoumi vient de sortir. Ntoumi vient de sortir comme un gourou avec sa secte, ses enfants, ses petits-enfants, avec sa milice. Ntoumi est sorti. Mais les 3 000 militaires sont encore là-bas, alors que Ntoumi n'est plus. Ntoumi est parti. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti. On l'a vu partir. Mais les 3 000 militaires, pourquoi ils ne poursuivent pas Ntoumi pour aller voir il est parti où? Qu'est-ce qu'il faut encore là-bas? Puisque Ntoumi est parti. Avec ses enfants, ses petits-enfants, avec ses chiens, avec tous ses animaux, Ntoumi est parti. On l'a vu. Mais pourquoi les 3 000 militaires restent là, puisque le fugitif est parti avec sa famille? Et on nous demande de continuer à marcher là. Mesdames et messieurs, ce n'est pas mon émission. Mais j'ai profité, voilà, parce que j'avais écrit un texte en 2000, nous sommes en 2024. Ce texte-là est encore en actualité. Monsieur Sassou avait gagné la guerre depuis 1997, il n'arrive pas à gagner la paix. Il nous impose sa paix. Mais on ne peut pas vous imposer la paix avec un pistolet sur la tente, la paix, 3 000 militaires dans la région de Pôle, alors que les autres régions sont libres depuis 1997. J'ai bien dit que nos mamans ne savent même plus pleurer et n'ont plus de larmes dans les yeux. Il n'y en a plus, à force de pleurer, il n'y en a plus. Monsieur Jacques Sokouya, à tout moment, petit bal, si tu veux intervenir, le numéro est là, Benga, Emissé Zayayou. Il y a des questions que les gens te posent. La première question qu'on a posée à Jacques Sokouya par un compatriote, nous allons commencer par ça, par cette question-là. Si nous entendons, je vais placer la première question. Il faut qu'on arrive à se dire les vérités, mesdames et messieurs. Si nous voulons rebâtir, reconstruire le Congo, ça passera par la vérité. La première question est là. C'est celle-là que j'ai mise. Je vous la lis. Puisque dans le discours du chef de l'État à la nation, il avait demandé aux Congolais de serrer la ceinture. Alors là-bas, on dit les Congolais doivent se serrer la ceinture, dit-il, Sassou Nguesso. Et pendant ce temps, il emmène toute sa famille au Vatican, voir le pape. Et ensuite, il va aller se balader à Paris pour la réouverture de la cathédrale de Paris. Lui, président d'un pays laïque. Des voyages qui n'apportent rien au peuple congolais, sinon de se voir encore plus dépossédé de son argent. Peuple congolais, sois un peuple vaillant comme celui du Sénégal. C'est ça la première question. Qu'est-ce qu'il va répondre, M. Jacques Sokouya, à cette question-là? Le chef de l'État demande aux Congolais de serrer la ceinture. Il n'y a pas l'argent. On ne paye pas les travailleurs, on ne paye pas les salaires, on ne paye pas les retraités, on ne paye pas les étudiants, il n'y a rien, il n'y a pas l'argent. Mais pendant ce temps, les compatriotes se posent la question de savoir.
Comment peut-on serrer la ceinture alors que lui-même, il ne serre pas la ceinture? Il emmène toute sa famille au Vatican pour aller voir le pape. Et ensuite, il va aller se balader. Il est là, nous l'avons tous vu. Il va aller se balader à Paris pour la réouverture de la cathédrale de Paris. Lui, président d'un pays laïque, des voyages qui n'apportent rien au peuple congolais, sinon de se voir encore plus dépossédé de son argent. Peuple congolais, soit un peuple vaillant comme celui du Sénégal. Monsieur Jacques Sokouya, Ouzaouab. J'espère que tu n'es pas à la cathédrale avec Napapinayo. Hein? Taguez-moi Jacques Sokouya, s'il vous plaît, qu'il vienne répondre aux questions. Il vient de répondre aux questions. Ça, c'est la première question. La deuxième qu'on pose à M. Jacques Sokouya. Pour le reste, Jacques Sokouya, vous êtes l'un de ceux qui ont amené au pouvoir cette clique dont vous vous plaignez désormais. Aujourd'hui, et que vous prétendez désormais combattre. J'espère simplement que votre combat d'aujourd'hui contre cette clique révèle un sincère patriote et n'est pas la réaction d'un homme déçu de n'avoir pas été rétribué comme il pensait l'être. Saluons votre prise de parole, mais il faut garder en mémoire que la justice n'oubliera personne. Ne serait-ce que dans les évocations. Je répète encore la deuxième question qu'on pose à Jacques Okuya. Pour le reste, Jacques Okuya, vous êtes l'un de ceux qui ont amené au pouvoir cette clique dont vous vous plaignez désormais aujourd'hui et que vous prétendez désormais combattre. J'espère simplement que votre combat d'aujourd'hui contre cette clique révèle un sincère patriote et n'est pas la réaction d'un homme déçu de n'avoir pas été rétribué comme il pensait l'être. Saluons votre prise de parole, mais il faut garder en mémoire que la justice n'oubliera personne, ne serait-ce que dans les évocations. Jacques Sokouya, Ozawap. La troisième question. Tu demandes à un président qui a fait 40 ans au pouvoir, dont le bilan est très très médiocre, de prendre conscience. Ce n'est pas possible. Tu le sais bien que ce président ne changera jamais. C'est plutôt le peuple qui doit prendre son destin en main. Je répète, la troisième. Tu demandes à un président qui a fait 40 ans au pouvoir, dont le bilan est très, très médiocre, de prendre conscience. Ce n'est pas possible, tu le sais bien, que ce président ne changera jamais. C'est plutôt le peuple qui doit prendre son destin en main. La quatrième, je l'ai mise sur ma page. Quatrième, je l'ai mis sur ma page, elle est où? Pas. Quittez pas, mesdames et messieurs. Bon, c'est pas grave, je vais la lire autrement. Je l'ai ici. La quatrième, c'est un compatriote qui l'interpelle, qui nous dit ceci. Chers compatriotes, s'il est sincère, on parle de Jacques Sokouya, effectivement,
chers compatriotes, s'il est sincère et s'il n'a pas changé depuis, Jacques Okuya semble être un vrai moshi et patriote. C'est avec des gens comme ça qu'il faut reconstruire la nation Congo. Avec grand N et non K. Le militant de la résistance le répète 3 fois. Les autres moshi doivent repartir là d'où ils viennent. En France, en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Je cite. Maître Aimé Emmanuel Yoka, qui a investi au Bénin, le pays de ses arrière-parents. Et la salope, Sandrine Sassou, la maîtresse du pasteur franc-maçon ivoirien Wilfried Zaoui, leur ont ouvert la voie du repatriement dans leur pays d'origine. Nous ne voulons plus parler de cette famille. Les 2/3 de la terre de nos ancêtres ne seront cédés à aucun étranger. N'en déplaise aux agents français. Mbokadia, Poitipangu et Wabaluku. Et Canadiens, sous pression de Justin Trudeau, Bernard Pongi, cette famille Sassou Nguesso a déjà reçu son OQTK, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire Congo, Congo avec un K, avec accusé de réception, la patrie ou la mort nous vaincront. Ça, c'est un compatriote. Je lis encore ce qu'il a écrit. Chers compatriotes, s'il est sincère, c'est-à-dire si M. Jacques Okuya est sincère et s'il n'a pas changé depuis, Jacques Okuya semble être un vrai moshi et patriote. C'est avec des gens comme ça qu'il faut reconstruire la nation Congo, avec un grand N et non K. Le militant de la résistance le répète 3 fois. Les autres Moshi doivent repartir là d'où ils viennent, en France, en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Je cite, Maître Aimé Emmanuel Yoka, qui a investi au Bénin, le pays de ses arrière-parents, et la salope, Sandrine Sassou, c'est pas moi qui la traite de salope, c'est écrit ici, la maîtresse du pasteur franc-maçon ivoirien Wilfried Zaoui, leur ont ouvert la voie du rapatriement dans leur pays d'origine. Nous ne voulons plus parler de cette famille. Les 2/3 de la terre de nos ancêtres ne seront cédés à aucun étranger. N'en déplaise aux agents français, Mbokadia, Poitipangu et Wabaluku. Et Canadiens, sous pression de Justin Trudeau, Bernard Pongi. Cette famille Sassou Nguesso a déjà reçu son OQTK, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire Congo avec un K. Avec accusé de réception, la patrie ou la mort nous vaincront. Jacques Okuya, Todo Zelayo. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui se joue sur ma page Facebook, Sapneuse, 1000% sap, si on peut le dire. 750% de sap, eh bien, 250%, on traitera les faits divers. Voilà, mesdames et messieurs, qui veut intervenir avant que Jacques Okuya intervienne? 06 01 47 59 13. Qui veut intervenir? Qui va prendre la parole? Arthur Makiza. Mais nous bonnes revoir ça qu'à intervenir au coucou. J'attends tes arguments. Non, je déconne, mon petit. La personne qui veut intervenir peut intervenir, voilà. Silence de mort, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Je vous laisse la parole, mesdames et messieurs. Pendant ce temps, je n'ai pas envie d'appeler Jacques Okuya. Peut-être qu'il est occupé. Nous avons 2 heures du temps. Donc, je n'ai pas envie de l'appeler.
Peut-être qu'il est occupé, donc c'est à lui d'appeler au moment où il sera disponible. Pour l'instant, mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez intervenir? J'attends. Je vais mettre encore quelques notes musicales en entendant que vous vous décidez. Je remets la chanson. Monsieur le chef d'État. Matricule 22, téléchargement gratuit sur YouTube.
baisse et nos enfants ne savent plus ni lire ni écrire. Ils deviennent une génération sacrifiée. Alors que le propre même d'un vrai chef d'État, c'est de préparer la relève afin qu'il y ait une passation de pouvoir entre l'ancienne et la nouvelle génération. Mesdames et messieurs, vous voyez parfois les textes que nous écrivons lorsqu'on dit que lorsque vous êtes un artiste, il ne faut pas seulement voir l'argent, il faut voir l'art. L'art, ce sont les textes que nous écrivons. Un texte que j'ai écrit en 2000 est encore en actualité en 2024. Imaginez un seul instant si j'avais chanté la bêtise. Elle serait partie dans les oubliettes. Mais l'avantage, c'est que je suis autoproducteur. Dès l'instant où je me produis, moi, avec mon argent, un producteur ne peut pas m'imposer un style. Je voulais aller, moi, mon style, je voulais aller à cheval entre Franklin Bukaka et, comment on appelle l'autre grand... l'autre doyen, Jacques Le Bello. Mais je ne voulais pas aller sur le style de Jacques Le Bello, je préfère les textes de Franklin Bukaka. Voilà, un texte qui a été écrit en 2000, nous sommes en 2024, la génération, la mienne, a été sacrifiée, nos enfants sont sacrifiés, nos petits-enfants sans sacrifier, parce qu'il y a des enfants qui sont nés en 97, au moment où il y a eu la guerre, qui ont 27 ans aujourd'hui, dans la région de Poule, qui n'ont jamais été à l'école. Et ces enfants-là, 27 ans, une fille de 27 ans, de la région de Poule, un peu ailleurs, doit avoir au moins déjà 2 ou 3 enfants aussi. Donc vous voyez, donc, il y a toute une génération qui est partie comme ça, qui a été sacrifiée. Et les politiques n'arrivent pas à se remettre en question pour se dire, mais nous avons échoué. Mais comment faire pour réparer? Ils ont des milliards avec eux. Ils peuvent se faire pardonner s'ils veulent réellement se faire pardonner. Est-ce qu'ils en ont la volonté de reconstruire, de bâtir ou de rebâtir un nouveau Congo qu'ils ont détruit? Je le dis, que notre République a été assassinée en 97. Ça fait 27 ans, nous n'avons plus de République. Nous sommes dans le Sassoland. Et on nous demande de continuer la marche. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Nous allons mourir en chemin. Parce que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas à manger, nous n'avons pas de pétrole. Lorsqu'on dort, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. C'est-à-dire que lorsqu'on tombe malade, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Alors cette marche-là, en quoi elle sera bénéfique aux Congolais ou aux Congolaises? Nous allons creuser un chemin, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, quand je dis que nous sommes dans le désert comme à Kangatena, si vous voyez par exemple, on prend un exemple de la France, ce pays-là que nous vivons. Un Français qui va par exemple au Congo-Brazzaville, lorsqu'il arrive à Roissy, on ne lui demande pas où est-ce qu'il était. Un Congolais, prenons l'exemple d'un Parisien qui va à Brazzaville, on risque de l'attendre. S'il a l'habitude de prendre des positions qui... S'il a l'habitude de prendre des positions, c'est-à-dire qu'un type comme moi, si j'arrive à Brazzaville, mais je ne pourrais pas rentrer directement chez moi. Il faut que je passe d'abord par la sécurité d'État.
Il faut qu'on me pose des questions pour savoir ce que je suis venu faire dans mon pays. Mais par contre, le Libanais qui est derrière moi, qui est venu dans le même avion que moi, n'aura pas de compte à rendre. Et au contraire, vous verrez qu'il y aura peut-être même un officier supérieur qui viendra l'attendre pour l'amener chez lui. Et c'est lui qui va faire les formalités. Moi qui suis congolais, qui suis du royaume Congo, moi on va me mettre à côté. Il faut qu'on puisse d'abord m'interroger. C'est quoi ce délire-là? Le Béninois qui sera derrière moi, il passera sans même faire les formalités. Le Libanais est mieux chez moi au Congo. Moi, il faudrait que je puisse me justifier ce que je suis venu chercher au Congo. Mais pas le Libanais. Pas le Westaf. Moi, je suis en exil, forcé. Je ne peux pas rentrer chez moi. Nous sommes ici en France. Les Français ne sont pas en exil. Ils sont chez eux. Et au contraire, ils veulent se débarrasser des étrangers qui sont ici, qui sont en situation irrégulière. Ils sont chez eux, ils ne sont pas en exil. Mais nous, nous sommes en exil. On ne peut pas rentrer chez nous. Le Français n'est pas en exil. S'il veut sortir, il va en vacances, il va en tant que coopérant. Mais nous, nous sommes en exil, forcés. On ne peut pas rentrer chez nous. Voyez la différence? Et ça, les Congolais, ceux qui sont là le savent. Pourquoi ils le savent? Ils viennent se marier ici parce qu'ils savent ici, c'est un pays de droit. S'ils se marient ici, ils peuvent avoir une carte de séjour. Et ici, ils savent que c'est un pays de droit, on ne peut pas les maltraiter n'importe comment. En ce net moment-là, ils aiment vivre dans des pays de droit. Alors qu'eux, au Congo, ils ne veulent pas appliquer le droit. Mais ils recherchent des pays où ils seront protégés par le droit, par la loi. Alors que nous, on est en train de craindre, d'avoir peur de ces pays de dictature. Ils cherchent des pays où il y a le droit, où la loi sera appliquée pour qu'ils soient tranquilles. Alors qu'ils peuvent mettre le droit, qu'ils peuvent l'appliquer au Congo de la ville. De la même façon, ils préfèrent venir se faire soigner en Europe alors qu'ils peuvent mettre les hôpitaux au Congo-Brazzaville. Je me rappelle, j'ai dit que moi j'ai grandi à Pointe-Noire. Mais quand j'ai tombé malade dans mon quartier Mbota, ceux qui connaissent Pointe-Noire le savent, Arthur Makiza connaît Pointe-Noire. Mais je venais à l'hôpital Congo-Malembe. L'hôpital qu'on appelle l'hôpital des Chinois, je venais me faire soigner là-bas. On avait tout. Dans mon quartier Mbota, je venais à l'hôpital Congo-Malembe. Maintenant, aujourd'hui, si je demande, est-ce que l'hôpital n'est Congo-Malembe qui était, est-ce que ma Chinoise était Tokuna? Mais nous étions soignés gratuitement et c'était de la bonne médecine. Est-ce que ça existe encore? Rien que ça. La santé. Moi, j'ai quitté mon beauté, mais que se faire soigner la Congo-Malembe, mais votre gamin. Même quelque chose de basique n'existe plus. Et on nous demande de continuer la marche, laquelle? Mais peut-être que vous venez là. On mange mal. On n'a plus de protéines, peut-être qu'il n'y a pas de vitamine V. Mais ce désert-là, mais nous allons crever. Bakongo, avec un K, Kinanganda, Baké à l'extérieur, Baké à l'Afrique du Sud, Baké à Maroc, Baké Bakotenius, Baké à Canada, Bamé Basika, Baké Nanganda, Bamitantu. Me cuise na boile, ba te cuise boile qui dit que fait, ba qu'on exil forcé. À quel moment nous allons rentrer dans notre royaume? À quel moment, bête que côté na boile y a béto? Qui va nous mettre dans de bonnes conditions? C'est pas Monsieur Sassou. Sassou 1, mesdames et messieurs, on venait au Congo, on arrivait à vendre nos vêtements.
On revenait avec l'argent, on pouvait revenir parfois même avec 20 millions, c'est-à-dire que nous avons voulu même 30 000 euros, mais ça se faisait, mais bon, bien. Peut-être que t'es kiki. Même l'économie informelle est morte. Celui qui vend aujourd'hui les tomates ne peut pas rêver de m'acheter un camion et devenir un grand commerçant. C'est seulement de la déboule. Mais je me rappelle dans Somba camion. Il avait même donné comme camion à Binsoukoulou. Mais moi, même moi, je croyais qu'il s'appelait Binsoukoulou. Il m'a dit non, non, non. Camionnier, mon Binsoukoulou n'a son bilan. J'ai commencé à vendre en détail jusqu'à ce que je sois. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. Mesdames et messieurs, pardon, le Congo est en train de mourir. Là, je prends la place de Jacques Sokouya. Peut-être que il y a aussi un problème aussi d'Internet, il y a un problème de réseau, peut-être que ça ne va pas. Je me dis, bon, je vais essayer de vous accompagner. Mais en ce moment-là, je ne ferai pas 2 heures du temps, mesdames et messieurs, parce que ce n'était pas mon émission. C'était l'émission de Jacques Sokouya. Donc, j'attends 15 minutes, c'est l'intervient. Bon, s'il n'intervient pas, bon, si vous n'intervenez pas, je mets fin à cette émission. Mais si vous regardez bien, mesdames et messieurs, le Congo ne va pas. Il faut un nouveau capitaine dans le bateau. Ce n'est pas avec Sassou. Je le dis, la révolution ou un coup d'État. La révolution. Si nous attendons, et nous sommes à quel âme. La révolution, c'est la seule arme que nous avons. C'est la population, c'est le nombre. On n'a pas besoin d'armes. Lorsque le peuple se lève, il n'a pas besoin d'armes. Puisque nous sommes déjà au moins 5 millions. Si on se lève, c'est fini. On n'a plus besoin d'armes. L'arme, c'est la démographie, c'est le nombre que nous serons. On se lève comme un seul homme et puis c'est fini. On fait tomber ce gouvernement-là et on dissout le PCT. On va profiter de dissoudre le PCT. Parce qu'à ce rythme-là, nous allons vers le chaos, mesdames et messieurs. Nous allons vers le chaos. Voilà. Et nous autres là, on ne sait pas si on verra encore un jour le Congo. À ce rythme-là, si c'est toujours les mêmes qui sont là, non. Nous allons rester bloqués au désert, donc au désert de Tofouila. Bon, même si moi, ça ne me dérange pas de mourir ici, mes enfants sont ici, mais ça m'aurait fait plaisir aussi de revoir le Congo. Mais lequel? Le Sassou-Nguesso. Là où règnent les Kulunas, les bébés noirs, l'insécurité, la jalousie, la sorcellerie, le mbassou, les empoisonnements. Ce n'est plus un Congo où moi je peux mettre encore les pieds. Il y a tellement d'insécurité, il y a tellement de choses bizarres qui se passent là-bas au Congo-Brazzaville que je me demande même comment je ne peux même pas faire une journée. Les empoisonnements, la sorcellerie, la jalousie, mbassou. Il y a encore quoi? Mwanza. Et sans compter le trafic aussi des organes humains. Comment peut-on vivre dans un pays comme ça? Où on ne sait pas si on sort le matin, si on va revenir à la maison. On ne sait pas. Qui on va croiser sur son chemin? Un Kulunas, un bébé noir? Mesdames et messieurs, c'est quand même bizarre que nous nous retrouvons face des dirigeants qui ne veulent même pas nous entendre. 3 000 militaires dans la région de Pôle. J'insiste, 3 000 militaires dans la région de Pôle, Ntoumi est parti, avec ses enfants, avec ses petits-enfants, avec ses animaux, avec ses hommes armés. Dit-on que c'était un fugitif,
que ça se voulait chercher là-bas buisson par buisson depuis 97. Le fugitif est là, il est sorti aux yeux et aux yeux de tout le monde. Mais les 3000 militaires sont restés dans la région de Bôle pour faire quoi? Mais pour faire quoi? Et quand je pense qu'il y a encore des Congos qui cautionnent ça, qui veulent encore donner un chèque blanc à Sassou, pour que les 3000 militaires continuent la marche, qu'ils restent encore là, à violer nos enfants, à violer nos mamans, à violer nos petites sœurs, à violer nos petits-enfants. Dans l'impunité totale. Quelques Congo signent encore le droit que Sassou peut encore se présenter, que c'est l'homme des actions concrètes. C'est pathétique. Tout ça pour l'argent. Que ce soit le président de la République, que ce soit n'importe qui, les boules au Mana Okota, Mokulungana Okangamis, ils ont les boules ouana, Mokonzi Pa Okota. Peut-être que les ouas, nous avons salé les ouas pour la baboula, le colabisso. Nous avons salé les ouate pour la bateau au Bazanambon. Mais ma belle de mon conseil, bisonnionso. Les boulots cacahuana, toroken de pacahuana. Bisoba bobola, toro daye, bakukunda. Binope banvoama, boko daye, bakukunda. Donc ça ne sert à rien. C'est pour aller écrire dans la Bible vanité de vanité. Botiambong, on a messa, bobongisa, Congo. On ne vous demande pas grand-chose. Reconstruisez le Congo que vous avez détruit. Remettez de l'argent pour qu'il y ait le pouvoir d'achat. Vous en avez. Mbongo na bozanango. Bozonge sa mbongo pour peuple. Et respirez. Remettez en état les écoles. Bana bazo tangate, bana bakomi bazoba, kindumba ekomi ebele. Y a trop d'antivaleurs au Congo. Je ne parle même pas de la religion catholique locale. C'est la débauche. Bon, mesdames et messieurs, je vais passer du coq à l'âne. Voilà, comme ça je vais finir cette émission-là. Je vais passer du coq à l'âne. Ce n'était pas prévu, comme je vous l'ai dit, j'attends déjà Tsobouya. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Je dis bien que je vais passer du coq à l'âne. Je vais essayer, parce que je parlais tout à l'heure de la religion. Vous voyez le voyage du chef de l'État, Vatican, qui a été reçu par le pape. Mesdames et messieurs, je l'ai déjà dit. À plusieurs reprises, je l'ai déjà répété, je vais encore le dire. Moi, j'allais être prêtre en 2025-2026, et j'étais parti pour ça. Mais ce chemin-là, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de Dieu, il y a tellement de contradictions, tellement de contre-vérités. Si vous n'êtes pas fort, vous perdez votre foi. Il y a une semaine de cela, j'avais l'intention de rendre la Bible. Lorsque j'avais vu cette image où j'ai vu le pape qui est en train de recevoir le chef de l'État congolais avec sa femme, je ne vous cache pas. Il y a une semaine de cela, je voulais remettre ma Bible et ma carte de chrétien. Mais le lendemain,
J'ai vu une vidéo que j'avais publiée il y a 4 ans où je parlais où je remerciais le Père Mathieu. En regardant cette vidéo que j'avais faite en 2020, je me suis encore souvenu des paroles du Père Mathieu qui me disait, Annick Bertin, la foi est individuelle et le salut est personnel. Quand j'ai repensé à ces paroles-là, l'acte que j'allais poser, remettre la Bible, je ne voulais même plus prendre la communion. Je me suis dit, il faudrait que je quitte le christianisme. Je me suis dit oui. En fin de compte, ce n'est pas Dieu qui a créé les églises. Le pape n'est pas le Christ. Dans la mesure où nous connaissons les Écritures nous-mêmes, dans la mesure où l'apôtre Paul nous a dit de ne pas se fier au siècle passé et que Dieu nous a créés à son image, ce qui revient à dire que il nous faut être guidé par le discernement, par le Saint-Esprit. Alors, par le discernement, pourquoi moi, en tant que chrétien catholique pratiquant, j'irai prier au Vatican? Parce que nous cherchons le diable. Mais le diable, il est là. Alors, pourquoi moi, j'irai prier dans une église où je sais que le diable est à l'intérieur? Parce que j'ai mon discernement. Je me suis dit oui. Mesdames et messieurs, si aujourd'hui vous mettez l'archevêque Bamanika ici, qui est en train d'organiser une messe, et de l'autre côté le pape, mais j'irai prier chez l'archevêque Bamanika. Je ne suis pas un chrétien mouton. Alors ne soyez pas surpris, je vous l'ai déjà dit, je le répète. L'interprétation que nous avons, heureusement que nous tombons parfois sur des vrais prêtres qui nous enseignent. J'ai dit que j'ai été bien enseigné. Lorsque vous regardez ça, mais ce sont ceux qui se déplacent. C'est pour aller faire des dons. Et l'Église va nous demander de prier pour nos dirigeants, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Moi, je ne me mettrai jamais à genoux, moi, en tant que chrétien catholique pratiquant, pour prier pour M. Sassou. Je ne le ferai pas. Je ne prierai jamais pour la première dame, Kani Botasama Makotomani, Nakotia, Nakotela. Ici, je parle en tant que chrétien catholique. Je ne parle pas en tant qu'évangéliste. Ce n'est pas de l'enseignement. Si j'enseigne, je n'aurai pas ce discours-là. Je serai obligé d'appliquer la Bible. Je vous dirai oui, la Bible nous dit de prier pour nos dirigeants. Je parle en tant que chrétien catholique, ça n'engage que moi. Je ne prierai pas. Là, ils viennent encore, là, l'argent, donner des dons. Parce que l'interprétation se dit que, mesdames et messieurs, si nous sommes 5 millions au Congo-Brazzaville, nous sommes en train de maudire Sassou Nguesso. Nous sommes en train de maudire Sassou Nguesso pour dire Akanza. Et que à côté, Monsieur Sassou, par exemple, est béni en Italie par 8 millions d'habitants. En Centrafrique, partout, il donne les dons. Et il va se retrouver avec parfois 30 millions ou bien 50 millions de personnes qui prient pour lui parce qu'il donne l'argent. Et toutes les bénédictions vont vers eux. Donc, foyebeto, timinutiabeto, moi qui minabeto yaye. Il y a quelques kwenda que personne n'a pas yaye. Alors que dans la Bible, vous voyez bien qu'il y a une dame qui était venue avec une pièce, le Christ a dit, oh là là, celle-là m'a donné toute sa fortune. Mais aujourd'hui, non, même quand vous allez dans les églises de réveil, on prie pour celui qui va mettre plus de dîmes. L'église fait monter les enchères. Mais c'est Sassou Nguesso et sa femme. Si, mesdames et messieurs, si on achetait la mort,
Monsieur Sassou et sa femme allaient corrompre Dieu. Mais comme Dieu n'est pas corrompu, on peut corrompre les hommes d'église pour qu'on puisse prier pour eux. Ils sont en train de chercher les bénédictions. Ils ont plus de 80 ans. Mais c'est fini ça. Le maître des temps, celui qui détient l'horloge, il est en haut. C'est pas le pape. C'est pas les prêtres. Il peut venir prier à Notre-Dame, il peut aller chercher cette bénédiction là où il veut. Mais ces images-là, pour un chrétien lambda, qui n'est pas blindé comme nous sommes, moi encore j'ai été enseigné. De temps en temps, ça bouscule ma foi, mais quand je regarde mes enseignements, je me dis, mais oui, on m'avait dit que, voilà, la foi est individuelle, le salut est personnel, donc il n'y a pas de problème. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, pour quelqu'un qui veut rentrer dans le christianisme, lorsqu'il voit ces images-là, ça ne lui donne plus envie d'aller à l'église. L'image du pape qui reçoit, disons-le bien, M. Denis Sassou Nguesso est dictateur, mesdames et messieurs. C'est pas un démocrate. C'est pas un démocrate. Dans un pays de démocratie, il n'y a pas de prisonnier politique. Il n'y a pas d'exilés. Nous ne serons pas là aujourd'hui à faire ce genre d'émission. Sassou 1, est-ce qu'on faisait ces émissions-là? Parce qu'il était au service du peuple. Il n'y a pas un président qu'on a aimé plus que Sassou. Surtout dans la jeunesse. Le désamour aujourd'hui entre le chef de l'État et la jeunesse, c'est lui qui l'a provoqué. Voilà. Donc aujourd'hui, si nous en sommes là, il va voir le pape. Qu'est-ce qu'il fait comme signe? Peut-être qu'on... Je me suis dit peut-être que... Il pourra libérer les prisonniers politiques. Même si moi je dis souvent que pour moi, mon coco, en tant que politicien, c'est fini. Mais pour sa famille. Pour sa famille politique. Pour ses enfants, pour sa famille, il pouvait libérer mon coco. Et au combien ça dit ça? Rien que ça. Même si politiquement, ces deux-là, j'en veux pas. Mais au moins. Après ça, il pouvait le faire. Mais non, là encore, il est revenu. Il va prier quoi? Il va voir le pape pour dire quoi? Ils se disent quoi? Si Bandoki n'est pas ouvert, si Satan n'est pas ouvert, bon maintenant, peut-être qu'on a ce Satan, Satan qui est à côté, mais n'est pas aux Olina. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire les deux là, le pape et le dictateur? Donc, Bazabasana. Ils se connaissent, bah, Yébani. Et nous, on s'emmerde là. Avec notre petite foi, on essaie de s'accrocher. Et quand tu regardes ça, tu te dis, mais putain, mais Dieu, à quand nous avons beaucoup à ouena, nous avons une grande façon. Mais y'a iki, y'a iki, y'a iki, y'a iki, y'a iki. Et là, il est encore là, notre dame. Bah, mais beaucoup de diakia, na madame. Il recherche leur bénédiction. Le chef de l'État l'a dit, il veut vivre 100 ans. Et donc, il est en train de donner des dîmes, il est en train de... Voilà, « Batu basambele la, yeba moussambele la, basambele li yandi, yannou koumena 100 ans. » Mais il y a un problème, il y a un nanzambe. Mesdames et messieurs, je vais terminer par là, parce que j'avais dit que je vais passer du coq à l'âne, puisque je parlais de l'Église catholique. Je vous ai dit, moi, en tant que chrétien catholique pratiquant, si vous mettez le pape ici, qui est en train d'organiser, bien de donner une messe, à côté, vous mettez l'archevêque Bamanika, et j'irai prêcher à l'archevêque Bamanika. Mais ce discours-là, celui que je suis en train de vous tenir, je ne le tiens pas en tant qu'évangéliste.
sinon je serais dans le faux. Je parle en tant que chrétien catholique qui voulait être prêtre et qui s'est arrêté pour des raisons que je ne vous dis pas. J'ai le droit de critiquer l'Église catholique parce que je suis chrétien catholique. Quand ça ne va pas, il faut dire que non, ça ne va pas. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens moutons. La vérité, c'est ce qu'on nous demande dans la Bible de dire la vérité, c'est ce que j'essaie de dire que non, cette image-là ne me plaît pas de voir le chef de l'État reçu par l'autre là. Bon, maintenant à côté, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, on ne connaît pas le contenu, je n'ai ni les tenants ni les aboutissants de leur rencontre, donc je ne rentre pas en profondeur, mais je me dis, pour l'image, cette image-là, cette image-là a bousculé notre foi. Mais je vous demande de garder la foi, mesdames et messieurs, comme me le disait le père Mathieu. Le salut est personnel, la foi est individuelle. Gardez votre foi. Dieu existe, mesdames et messieurs. Les églises, ce sont les hommes qui l'ont construit, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est là. Là où je suis en train de prêcher, je suis en train de parler de Dieu, je suis dans une salle de bain. Je n'ai pas d'autres endroits. Ce qui compte, c'est le message. Le reste, c'est rien. Nzambi, que côté nuance. Voilà, mesdames et messieurs, moi j'ai fini. Voilà, peut-être que Jacques Sokouya a eu un contretemps. Ce n'est pas grave. C'est peut-être partie remise, je ne sais pas. Il est 19h04. Voilà, je vous ai accompagné. Ce n'était pas mon émission. Bon, il fallait quand même improviser. Je vous souhaite un bon week-end, mesdames et messieurs. Arthur Makiza, merci d'être là. Benjamin Kouma, merci d'être là. Ah, Madame Kassadonto. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, la PAC. Voilà, je reviendrai peut-être demain. Je ne sais pas, d'ici là, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon week-end dans la paix du Seigneur, pour ne pas dire dans la paix du Christ. Merci à vous. Et à demain.